Et ce climat, on en parle, ce climat en RDC, on en parle avec Francis Calombo, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Vous représentez le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Vous êtes aujourd'hui proche de Moïse Katumbi, mais vous avez été proche de Joseph Kabila. On a vu ces images. Qu'avez-vous envie de dire ce soir à Joseph Kabila? C'est regrettable qu'on soit arrivé là. Vous savez, Joseph Kabila est arrivé, il a trouvé un Congo qui était morcelé. Certes, il a tout fait pour pouvoir pacifier la République démocratique du Congo, nous amener aux élections. Nous avons adopté une constitution dont nous tous avons participé pour le faire accepter auprès de notre population. Mais aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que Joseph Kabila, qui était pacificateur, aujourd'hui nous voyons les gens être tués. Ce n'est pas normal parce qu'il y a quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir. Il y a un temps pour tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est désolant de constater que le président de la République, ne voulant pas organiser les élections par une mauvaise volonté, eh bien, il veut maintenant rester sans faire des élections au Congo, rester président à vie ou faire des élections où il sera candidat et se maintenir au pouvoir. Il y a un temps pour tout dans la vie et je pense qu'il peut se concentrer à autre chose plutôt qu'à rester président de la République, ce qui est déplorable. Aujourd'hui, vous voyez vous-même que la population est déterminée. On a montré des images de Kinshasa, mais Lubumbashi aujourd'hui est chaos. Je crois que la population est sortie alors que c'était militarisé, mais les gens ont défié l'autorité. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a maintenant les policiers et les militaires qui refusent de tirer sur la population. Parce que dans la population, il y a le leur aussi parmi les gens qu'ils tuent. Puisqu'ils viennent, ils sont pas armés. C'est des gens qui viennent sans armes, sans rien. Ils manifestent parce qu'ils doivent s'exprimer. On leur interdit de s'exprimer. Et aujourd'hui, conséquence, il y a beaucoup de morts. Et ce qui est regrettable, d'ailleurs, même des blessés qu'on a amenés dans des hôpitaux, on a été les chercher dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on ne sait pas où on les a amenés. Les familles nous appellent. Ils sont des gens en débandade. Qui ont disparu. Politiquement, on voit que finalement, la manœuvre, c'est plutôt de lancer un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette annonce, il y a quelques heures ? Écoutez, c'est un morné. Voilà un gouvernement de 67 ministres, alors que oui, avec, pléthorique, oui. Oui, avec, 40, avec 4 milliards de dollars comme budget, alors qu'on avait un gouvernement de 37 ministres avec 9 milliards matata 1. Donc vous voyez vous-même que ça, c'est de la provocation. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient que les caisses de l'État sont vides et le peu de moyens même qu'on donne à la CENI pour organiser les élections oui. sont détournés. Ça a été démontré. Personne n'a démenti le phénomène avec le petit-fils de Lumumba qui a dénoncé. Et nous voyons Bloomberg en train de dénoncer comment la richesse de la République démocratique du Congo est pillée, pas de procédure, personne n'en parle. Comment on s'en sort ? Mais je crois que la population le dise. Ils demandent le départ du président de la République. Et maintenant, ils seront dans la rue aussi longtemps qu'il restera président de la République. Ils vont essayer d'arracher la démocratie. Si hier, tout le monde croyait au dialogue, mais aujourd'hui, vous voyez la population. Il n'y a plus de possibilité de discussion de ce type. Les politiciens peuvent discuter, mais ils sont en déphasage avec la volonté de la population. Vous voyez que la population ne veut plus entendre mot d'ordre. La population est dans la rue. Ils réclament le départ du président de la République. Alors qu'hier, la population demandait qu'il y ait un dialogue, mais aujourd'hui, ils veulent plus. Qu'attendez-vous, par exemple, de l'Union africaine, des Nations unies? Est-ce qu'elles doivent intervenir? Je pense que les Nations unies a donné une position que nous encourageons, c'est-à-dire les négociations avec la CENCO. Mais vous devez retenir une chose. Ça, c'est nous, en tant que politiciens, en tant que responsables. Mais la population qui est majoritaire oui. vous disent absolument, ils veulent pas, ils veulent que le départ du président et les restes après. Donc, maintenant, ceux qui induisent le chef en erreur, ceux qui l'encouragent sur ces chemins d'affrontement avec la population, puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui s'affronte avec la population. Et les militaires aujourd'hui, ce qui est encourageant, et certains policiers commencent à ne plus respecter Merci. Cet ordre. Merci. Et nous en félicitons. Merci Francis Calombo. Je rappelle que vous êtes député à RDC. Merci à vous. Et pour aller plus loin, je vous renvoie à notre page Facebook. Quelle stratégie pour demain en RDC? C'est le débat de notre séquence, on en parle. Continuez de poster vos messages et vos arguments. La synthèse est prévue demain, mercredi, avec Lise-Laure Etia. Élections organisées à temps et donc pas de successeur à Joseph Kabila. Et du coup, c'était plutôt attendu, le président en RDC se maintient au-delà de la fin de son mandat. Et comme si de rien n'était, il a même nommé un nouveau gouvernement. L'opposant historique Étienne Tshisekedi appelle à la résistance pacifique alors qu'il y a eu entre 9 et 11 morts dans les violences aujourd'hui. Julien Metzer, Francis Mokoko, Julie Jolivet. Une nouvelle journée ville morte dans la capitale.
Une occasion à ne pas manquer pour certains jeunes quinois qui organisent des parties de foot en pleine rue. Mais d'un quartier à l'autre, la situation devient plus volatile. Des affrontements qui se multiplient entre forces de sécurité qui quadrillent la ville et groupes de jeunes venus manifester leur mécontentement. Des tirs de gaz lacrymogène, mais aussi des tirs à balles réelles se font entendre dans plusieurs secteurs de la capitale. À certains endroits, la situation dégénère. Ici, c'est un jeune de 18 ans qui tombe sous les balles des militaires. Il n'était pas comme ces bandits qui font des incursions dans des maisons d'autrui. Que les militaires cherchent plutôt ces bandits-là pour les tuer. Kabila, son mandat est fini. Qu'il nous laisse nos garçons. Pourtant, le matin, c'est l'opposant historique, Étienne Tshisekedi, qui appelle à une mobilisation pacifique. Mais dans un pays où les réseaux sociaux sont bloqués, le message diffusé sur Internet ne semble pas avoir l'écho espéré. D'abord, au peuple congolais, à ne pas reconnaître l'autorité du reste illégal et illégitime de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État qui est ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. Les forces de l'ordre procèdent à de nombreuses arrestations partout dans la capitale. Et en début d'après-midi, le nouveau Premier ministre, tout juste entré en fonction, lance un appel au calme. Je voudrais lancer un appel à la paix, la tranquillité sur toute l'étendue de la République. Le gouvernement prend des dispositions d'encadrement des forces de l'ordre et de sécurité afin que l'ordre public soit strictement respecté dans le respect des droits et libertés de chacun. L'ONU a annoncé qu'au moins une vingtaine de personnes a été tuées dans la capitale durant la journée. De son côté, le porte-parole du gouvernement parle de 9 morts tout au plus. C'est dans ce climat que doivent reprendre les négociations entre le pouvoir et l'opposition ce mercredi, une médiation conduite par les évêques du pays.